Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Rimworld, Roi des Sables. C'est parti! On attend toujours nos attaques de mécanoïdes et on va se préparer à plein de choses. Tout d'abord, on va laisser Anastasia péter les plombs et on va gérer la raison pour laquelle elle a pété les plombs. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais tout d'abord, pas mal de choses. Alors ici, oui, j'utilise toute qualité et point de vie et je ne vais pas le changer parce que pour l'instant, j'ai pas de tissu pour faire ce qu'il manque. Mais je pourrais utiliser exceptionnellement les trucs de dromadaire, mais. Ça ferait de la mauvaise qualité, donc ils enlèveraient des trucs en cuir de dromadaire pour mettre des trucs en laine d'alpaga, et c'est très mauvais, c'est encore pire que le tissu. Donc non, ils vont garder leur guenille. Très bien. Ceci dit, nous allons passer à ça. La raffinée, c'est suspendu. Chouchpandou! On va faire des plats gastronomiques puisque c'est ça qu'elle attend pour manger. Jusqu'à en avoir 3, ça suffira. Dans le frigo, mais on ne peut pas les mettre dans le frigo. Super. Donc, nous allons les autoriser dans le frigo, les plats gastronomiques, et on s'y met. Jusqu'à. Et déjà là, il n'y en a pas assez. Ici, les plats. J'en voudrais au moins. C'est quoi ça? Ça, c'est la petite grange. Dans la petite grange, c'est un seul. Et là-bas, ça sera 3. Mais c'est suspendu tant qu'il y a du foin. Je disais donc, frigo. Frigo, très bien, jusqu'à en avoir 3, minimum de compétences 8, c'est parfait. Voilà nos plats gastronomiques qui vont être utiles, mais pour cela il va falloir faire confort, 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 PDG, pas du tout, vous êtes en confort les gars. Sauf Anastasia, c'est-à-dire que vous allez manger de la pâte nutritive, puisque je ne fais plus de plats raffinés. Et elle, elle va être en... PDG, il n'a pas le droit plat gastronomique. Il a le droit qu'au raffiné. Du coup, c'est un peu comme confort. Du coup, c'est un peu comme confort. Ouais. Du coup, on va la mettre en PDG. C'est très bien. Elle lui va rester en confort. Voilà. Sauf que confort, c'est pâte pour le moment. Ici. On va enlever ces lits-là qui sont probablement trop. Il va nous falloir faire des lits en urgence. Donc on va éliminer avec Grizzly en urgence les minerais qui se trouvent là-haut et là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les briques Gala, elles résistent mal à la température. J'aimerais qu'elles travaillent ici. Plus que... Ce que l'on avait dit. Le problème, c'est qu'on était quasiment arrivé au moment où on avait assez de briques. Donc on fait plus de briques. Car je crois que ça sera déjà pas mal. Anastasia risque de se prendre des baffes. Est-ce que je pourrais l'arrêter? Si je l'arrête, je vais avoir des problèmes. Bien. Julia, elle est pas bien au niveau moral, mais Libellule, elle est bien, donc je voudrais qu'elle vienne faire les lits. Ici, établi d'assemblage, on va faire deux lanceurs de fumigène, s'il vous plaît. Et on va activer. Ça va nous coûter des compos, ça va nous coûter plein de trucs. Ici, on va faire d'abord les composants avancés. On va pas faire d'abord les composants avancés. On va ajouter une tâche composant avancé. 1, 2. Et il m'en faut combien ici? Il m'en faut 2. Dans lequel je vais demander d'en faire 4. Et après, on fera d'abord les composants et après les composants avancés. Non, 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 non. Non, non, non. Oh là 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 là, cata. Bon, au moins après, elle sera de meilleure humeur. Allez, Libellule. Tant pis pour le lit. Et ici, on va devoir miner. Non, on va rien faire de spécial. On fera par l'autre côté. Voilà, pour le moment, on va faire ça, comme ça. Où est-ce qu'on en est encore? Grizzly, ce matin, tu vas aller miner ici pour avoir plus de métal.
Ah là là. On en est où là? Je voudrais aussi que vous arrêtiez de nettoyer. On a déjà des gens qui nettoient et vous transportiez. J'aimerais aussi que Martial y fasse du minage. Voilà, parce que le nettoyage c'est bien beau, mais autant nettoyer tout à la fin quand vous serez parti. Ok, Solo, Martian et Grizzly ils font du minage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas prendre des pommes de terre, non? C'est parce que tu as été affecté à la cuisine. Et maintenant j'ai remarqué que les cuisiniers. Tu vas prendre des pommes de terre. Ah, tu veux faire du dressage? Ah, non, non, tu vas arrêter le dressage là pendant quelques temps. J'ai besoin que tu mines. J'ai besoin que tu mines beaucoup. Parce que sinon, Libellule, elle tourne pas, elle fait plus rien. Faut qu'elle fabrique des armes, Libellule. Des armes, des composants. Structure en ardoise. Voilà. Est-ce que démence majeure de Gala? Parce que Gala, elle fait quoi? En train de fabriquer un lanceur de fumigène? Ah ouais. Elle est partie chercher du minerai, donc elle a chaud. Psychotique Gala. Eh ben, tant pis pour nous. Elle va s'écrouler. Si elle est dehors, elle va s'écrouler de toute façon. On va la récupérer vite. Parce que Gala, elle supporte. Voilà, boum. Gala, elle supporte pas la chaleur. Je voulais vraiment qu'elle reste à l'intérieur. Ah, tiens, tu vois. Tu vas secourir Gala plutôt que d'aller ramasser. Grizzly, j'avais dit que je voulais que tu fasses là-bas. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Les gens qui ramassent, j'aimerais qu'ils ramassent autre chose que ce qu'il y a là. Donc je vais désactiver les trucs trop proches. Pour qu'ils s'occupent du ramassage plutôt de tout ce qui est au bord de la base. Je sais que j'avais dit que je ramasserais tout ça, mais en fait non. Voilà. Ici, j'ai demandé du ramassage aussi. On fera au coup de goutte, on choisira où ils vont, où veulent aller. J'aimerais bien qu'ils fassent ici, ça serait propre, tiens. Parce que vous voyez, là, j'ai des trucs qui sont posés avant le minerai que ramasse Grizzly. C'est donc dommage. Voilà. On va nettoyer le haut d'abord, puisqu'on va miner dans le haut. Il ramène des blocs. On en est où ici? Super. Payette, tu continues à nettoyer. De toute façon, ils vont devoir nettoyer ça. Donc, ça va les occuper pas mal. Grizzly, bien bossé. Excellent. Excellent, excellent. Exactement ce que je demandais. Parfait. Je te renverrai demain matin. Encore un petit peu là. La construction, t'as fait quoi, Julia? Je trouve que t'as pas beaucoup avancé. D'accord, t'as fait du billard. T'as fait ça peut-être? Non, tu n'as pas fait ça. Alors qu'est-ce que t'as fichu en vrai? Zone. Étendre la zone à toit ouvert. Hop, ici. Mercian est totalement guéri. Gala. Gala, il devrait aller mieux. Attends, elle a pas chaud là ici. Mince, il fait 40 degrés. La 37. La 40. Il faut la coucher ailleurs. Intérieur 32. On va baisser la température ici. Moins 16.
On va même mettre 10 degrés ici. De moins. Et ici, c'est pareil. On va mettre en sorte qu'il fasse 16 de 10 degrés, 12 degrés. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ici, on va faire en sorte qu'il fasse. Ben là, ça va pourrir les places si on n'ouvre pas ça. Chauve va m'ouvrir ça. La moins 20, c'est bien. La 38, c'est un peu limite. On va essayer de viser les 18. Les 20, c'est pas mal. Ça, il faudrait le ravitailler. Celui-là aussi. Mais on n'a plus de bois. On va bloquer celui-ci. On va voir si on peut aller chercher du bois un petit peu. C'est pas terrible, mais ça sera déjà ça. Ils vont peut-être le mettre dans le brasier et ça sera tout aussi utile, quoique je pourrais désactiver les brasiers quand même. Voilà. Ça, cette chambre sera pas mal. Parce que Gala, là, elle crève, hein. On va essayer de s'occuper d'eux. On va essayer de s'occuper d'eux. Donc pour s'occuper d'eux, il faut déjà déplacer Gala. Ok, 12, tu peux la secourir. Ensuite, 12, tu pourras les couper les deux arbres qui sont là. Merci. Et maintenant, est-ce que tu pourrais venir ravitailler ça? C'est provisoire, mais il fera de moins en moins chaud, donc imagine que ça sera plus facile par la suite. Voilà, ça va aller tellement, tellement mieux pour vous dans quelques secondes. Et voilà. Que du bonheur, ces systèmes. Très, très, très efficaces. Il faut évidemment que je plante plus d'arbres. Y a moyen de planter des arbres ici, non? Alors, on va supprimer tout ça. Voilà, on va en faire trois, des trucs d'arbres. Voilà. J'aurais pu en faire un petit là aussi. Et un là. Voilà. Et un autre sûrement. Ici. Hop là. Et ici, c'est trop calme. Capsule de cargo, qu'est-ce que tu m'envoies? De la viande. Mais c'est pas chez nous. Ça va rester comme ça. Hop là. Mon gala devrait aller mieux parce que si elle bosse à l'intérieur ici, ça va se passer mieux. Libellule, on va essayer de faire un petit mobilier étagère en ardoise. Ici pour mettre les lanceurs de fumigène. Les lanceurs de fumigène, c'est principalement pour les tours, hein. Julia, je suis très intéressé par savoir ce que tu fabriques en fait. Tu construis des toits. Ok. Ok, ici on a une petite zone qui est dégagée. On va pouvoir commencer notre vrai stockage. Stockage, tout effacé. Non, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout. Ah là 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 là. Laissez-moi tranquille. Laine d'alpaga. Et ici, pas de laine d'alpaga.
Donc ils sont 5. Hein. Personne ne manque à l'appel. On se met ici. Y en a un qui atterrit ici. Les autres ont atterri là-bas. Là-bas. Un, deux, trois, quatre. Ok, ils sont tous en hauteur là. C'est la galère. Je me serais bien mis là, mais on est beaucoup trop près en fait. Deux. On va se mettre ici. On va voir ce que c'est déjà. C'est un peu de tout. Ok les gars, on vient ici. C'est assez bon déjà pour commencer ça. Ok, on a Bucho. Bucho, il peut tanker celui-là. Julia, tu viens de planquer là. Anastasia, elle a sorti son arme. Waouh! Anastasia, elle peut dégommer bien. Fou furieux. Mur de terre. Forme un mur en temporaire en téléportant des cailloux de la terre des profondeurs du sol. Attraction de cible. Ordonne psychiquement à la cible de s'approcher du lanceur de pouvoir. Impulsion aveuglante. Provoque des parasites dans le centre de vision, obscurcissant la vision de tout le monde autour du point d'impact. Oh, c'est génial! Elle est quand même sacrément costaud. Hein. Elle est quand même sacrément costaud. Lui va pouvoir gérer lui. Là, on a quoi? On a un autre tireur qui arrive. Julia, il faut qu'elle se mette là. Et en attendant, nous, on y va. Ragab. Tiberius. Pseudo. Metnos. Au boulot. Pseudo. On a dit qu'il allait gérer lui. Était tendu. Allez, on y va. On en a un qui était là et apparemment il rejoint la. Il rejoint le groupe donc a priori pas d'enjeu pour nous. Paillette, Paris, Truffe, Briquette et Gala. Au boulot. Et nous on monte. Marciane, tu montes aussi. Julia, elle est ciblée là. Ça me plaît pas du tout. Julia, tu vas te mettre là. Metnos, tu vas te mettre là. Tu remontes. Ragab, t'arrives pas à tirer là? Eh ben non, t'es là. Oh là! Oh là! Ok, on se déplace comme ça. On est parti. Vous savez quoi? Julia, Anastasia, Chauve. Douce. On vous relâche solo aussi. Libellule aussi. Quoique Libellule, elle est vraiment costaud. Allez, Libellule, tu viens te mettre là. Et voilà, ça c'est réglé. Toi, tu viens là. Et je pense vraiment que ça va être facile. Mets-toi là plutôt. Marciane, tu vas là. Attention, c'est Libellule qui est ciblée. Non, c'était Marciane. Lui, il voit rien. Marciane, si tu ne vois pas ta cible, tu vas là-bas. Tu vises vers qui, toi? Ragab, tu vises vers personne maintenant, de toute façon. Allez hop!
au contact. Il m'en manque un, Tiberius, on le relâche. Libellule, on relâche. Oh là là. Cette puissance de feu. C'est réglé. Donc, hop. Hop. Un. Lui est resté carrément là où il était. Hop. Hop, il y en a un qui atterrit ici. Ici, tout ça c'est de l'acier, on récupère. Il y en avait un qui avait atterri là, ici, dans le champ. Voilà. Allez, fin de l'alerte. Pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est pas encore des bases. Si on se tape une base, ça va piquer plus. D'où l'intérêt des fumigènes. Enfin, pour la base, hein, on attire tout le monde à l'extérieur, mais ils sont en plus grosse quantité en général. Et donc ça pourrait piquer beaucoup plus fort. Grizzly, je sais que tu es courageux. Et que tu aimes bien miner en intérieur, là où il fait frais, pendant que les autres vont dans la chaleur. Mais ce n'est pas le cas. Tu vas aller dehors. Anastasia, comment tu te sens? Tu glandouilles. Eh ben, tu sais quoi? On va désuspendre ça. Et on va l'assigner à Anastasia, en fait. Voilà. Chauffe-transport, ouais. C'est pas son truc, quand même. Hein. Maintenant qu'il voit Anastasia, et qu'il se dit, mais elle fait rien du tout. Il se dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Ok, Metnos, il va pas bien. Pourquoi Metnos? Insulté, ah ouais, et très chaud. Environnement déplaisant, a dormi dans la chaleur, a dormi dehors. Metnos, il faut absolument qu'on lui fasse son lit. Libellule, lâche toute affaire cessante et fais un lit à Metnos. Alors, on va installer une lampe ici. Grizzly, ça bosse. Martian, il bosse. Ah, tu mines là-bas aussi, toi, Martian. Je préfère pas, non. Tu vas attraper chaud. Ton humeur est hyper mauvaise. T'as déjà trop chaud comme ça. Viens miner là-dedans. Martian, il va mal. Martian, je voudrais que tu ne travailles pas en fait. Et que tu restes dans la base. Restriction. Martian. Ah ouais, je vous ai mis du travail du temps. Ah non, non, mais faut arrêter là. Vous allez péter les plombs. Vous n'avez pas des tenues adaptées. Vous allez complètement péter les plombs. Et tu restes à la base, Martian. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace. Place simple à pourri dans le stockage. Ah, mais pourquoi? 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 C'était où? Pourquoi on a mis des plats là-bas, quoi? C'est suspendu, ça. C'est les plats de l'autre à tous les coups. C'est quoi la priorité ici? Critique et là-bas, normal. Eh ben voilà. Ok, on s'est réglé. Là, ça va pas être médical. Gala, tu vas dormir maintenant ici, à nouveau. Et le lit médical qui est ici, on va le réinstaller. Ici. Mais c'est toi qui vas t'en occuper. Voilà. Martian, est-ce que tu commences à aller mieux? Nettement mieux. Plus d'eau aussi. Donc on va enlever la restriction pour Martian. Démence majeure, Metnos maintenant. Ouais, mais pourquoi il bosse? T'es pas obligé, va te détendre. Voilà, va te reposer. T'as un lit et tout maintenant.
Je veux pas vous faire des chambres individuelles, là j'ai pas le temps. Physiquement, hein. C'est pas que je veuille pas, hein, mais c'est pas possible, on n'aura pas le temps. Julia, je trouve que t'as pas beaucoup bossé. Par contre, ça c'est quoi ça? C'est un lanceur de fumigène inachevé, ouais, c'est bien. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fini, là c'est pas fini. Mes armes, franchement, c'est... Les gars, faudrait y aller un peu là, hein. Faudrait vous mettre au vrai boulot là, hein. En tout cas, ils ont fait le nettoyage là. Ah, ça a miné aussi, tiens. Solo Martian mine ici. Grizzly, t'es parti miner où? Ici aussi, mais non. Tu vas aller miner là-bas, en réalité. Ici, t'as fini. Bah là-bas, alors, du coup. Il me faut plus d'acier que ça. 339, c'est clairement pas assez. Pour faire bosser Libellule à plein temps. Julia, j'ai vraiment besoin de savoir ce que tu fais. T'en es toujours enlevé des toits? Ça te prend tant de temps que ça, et maintenant tu fais quoi là? Ah, l'étagère en ardoise, ça c'est bien. Ici, je veux uniquement des... lanceurs de fumigène. Très bien Julia, voilà, ça c'est bien. Ça c'est ce que je veux que tu fasses. Voilà, ça avance. Les transporteurs, il faudrait me virer tout ça, s'il vous plaît. Ainsi que ça. Oh, une statue, Anastasia, GG. Petite statue en ardoise. Allez, mettez-moi ça là. Et ça, il faut me le déplacer là. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ici, notre salle du trône, elle ne fonctionne pas. Parce que maintenant, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais une installation de production. Donc ça gêne. Donc je vais la mettre ici. La nourriture. Donc ici, vous voyez. Avec malheureusement que 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, elle n'aura pas beaucoup. Elle aura 4 petits porteurs au lieu de ce qu'elle avait avant. C'est pas très grave. Ok, ça me plaît, Julia. Là, je suis séduit. Les porteurs, s'il vous plaît, au boulot. Et Paris, normalement aussi, hein. Merci. Faut venir faire ici après, si tu peux, Julia. Là, du coup, on peut venir miner tout ça. On a assez, je pense, de... Ouais, on a assez d'acier pour le moment. Pouvoir miner tout ça. Aucune raison de s'arrêter là. Il y a à nouveau plein de pierres à déplacer. Ça fait du bien de voir les mineurs, de voir les gamins gamines là qui sont venus nous défendre. D'un petit peu meilleure humeur, un petit peu. Ils ont encore un peu de mal, hein. Metnos. Ils ont faim, ils ont chaud.
Ouais, mais vous avez à manger quand même. Et le sommeil troublé, c'est surtout ça. Il leur faudrait des vraies chambres, mais ça, les chambres individuelles, c'est pas demain la veille, hein. Pourquoi j'ai démonté ça? Expliquez-moi pourquoi j'ai fait ça à un moment ou à un autre dans ma vie. Je ne me l'explique pas. Et c'est reparti. Allez, structure en calcaire. Donc, le centre des neuf. Centre des neuf. Non, c'est le centre des sept qui vient ici. D'accord, c'est ici. Donc on fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on fait 4 par là. Ah ben il gêne le poteau, c'est pas grave. Il vient ici, puis 3, puis 2, puis normalement 9. Ça colle pas. 7. 1, 2, 3, 4. Eh ben c'est normal, j'ai fait que 4. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, puis 1, 2, puis 9. Ouais, je pense que ça va coller. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors ici, évidemment, il y a un petit trou. Alors attendez, 7, c'est celui-ci. Toc. Voilà, et on a aussi des piliers en calcaire. Donc normalement c'est 1, 2, 3, 4. C'est le cinquième. C'est ça, hein? Vous pouvez me dire, hein, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et l'autre, du coup, il va être 1, 2, 1, 2, ici. Voilà. Parfait. Allez, tout le monde va se reposer, s'il vous plaît. Est-ce que si tout le monde dort dans un lit? Certains dans des chambres individuelles. Oh, Tiberius, moral, ça va un peu mieux. Repos, c'est bon, tout ça c'est bon. Anastasia va super bien. Dès qu'elle sera reposée, qu'elle aura mangé demain, elle va faire un discours. Les alpagas, ils sont toujours enceintes, de toute façon, je sais pas pourquoi on leur demande. Les chameaux, ils n'ont plus rien à manger. Il va falloir leur faire. Ça, c'est des tables. Donc, c'est celui-là, c'est la petite grange. C'est trop calme, on va se faire attaquer. Ici, il fait toujours pas frais, hein. Ça va encore. La température, fort heureusement, baisse un peu. Bon, là, en fait, c'est ça que je rafraîchis, indirectement. Pour l'instant, on laisse le système comme ça. J'ai pas envie de mettre mes alpagas dans un congélateur. Après, je suis pas sûr qu'ils seraient malheureux. Hein. Waouh, ça m'a fichu la trouille, je vous dis pas. Alors, on est en train de faire le deuxième lanceur. Excellent, excellent, excellent. Donc c'est Paris qui va venir s'équiper de ça pour le moment. Merci Paris, tu pourras participer au combat comme ça maintenant. Trophée briquette, non. Paillette aussi. Tu vas avoir le tien. Évidemment, on attend des meilleures armes encore là. Ok, ici. Pareil, ici. Lui, tu construis quoi? Transporte des blocs de calcaire. Pour aller où? Ok, c'est tout. Non, c'est pas tout. Frénésie de travail, gala, tant pis pour toi.
Elle va me faire quoi? Elle va me faire des briques à tout casser. Elle est complètement folle dingo là. Elle est à fond, à fond, à fond, à fond. Anastasia, tu vas faire ton discours maintenant. Ça va être la pause de midi bientôt. Allez, tout le monde arrête. Perte de productivité, mais ça va nous donner un bonus de. Bah, ça peut être négatif, mais là, il y a peu de chance. Elle est plutôt en forme, Anastasia. Ça peut nous donner un plus 4, plus 8. Je sais pas si ça peut donner un plus 6. À l'humeur pour 8 jours, hein. Ça serait énorme. Vous savez quoi? Ils vont me manquer quand ils vont partir. Sincèrement, je vais être triste. Hein. Il y a mes alpagas qui commencent à se reproduire. Donc, on aurait de la viande. On pourrait entretenir Anastasia. Au niveau de la nourriture, je vois que ça baisse assez moyennement. Mais c'est parce qu'on ne fait pas encore les plats pour les alpagas. Mais quand même, ça devrait pousser à l'extérieur, là. Je sais que dans les fermes, bah, ça continue à produire. Hein. On est sur le point de faire une première, deuxième ferme. Ça va? Ton discours, c'est pas un peu trop long? Tu l'as commencé il y a 4 heures. Hein. T'es consciente que ça fait 5 heures que tu fais un discours? J'aurais su ça, j'aurais fait ça à 22 heures. Hein. Quoi qu'ils n'auraient pas dormi, ça aurait eu tout l'effet inverse. Quand tu veux. D'accord. Ça va être c'est une journée de congé. Ok, discours encourageant. C'est plutôt bon signe. Bien adapté, bof, 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 bien adapté, c'est plus 4. Hein. Oh, c'est plus 4, c'est ça, bien adapté. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas un plus 8. C'est une tristesse. Vous allez chercher quoi là, des patates? Vous êtes tous partis chercher des patates. C'est pas très intéressant ça quand même. On a connu mieux hein, comme optimisation. En tout cas, l'avantage c'est que les pièces là commencent à bien se ranger, bien se nettoyer. Voilà, c'est quoi ça? Tu me le supprimes. Et ça va être ça en fait. Copier, coller, et la bonne nouvelle, c'est ça. Ça disparaît. Chef-d'œuvre. Libellule a créé un lanceur de fumigène chef-d'œuvre. Bah ça devait faire beaucoup de fumée. Youpi. Paris, paillettes. Allez, vas-y. Viens lancer ta fumée. Paris, fais voir ton arme. Portée 24. Qu'est-ce que ça sert d'être un chef-d'œuvre? À quoi ça sert? Je pourrais le revendre. C'est surtout ça. Ah, fais voir paillettes. Ouais, faut vraiment que je le revende en fait le truc. Voilà, ouais. Multiplicateur de qualité, multiplicateur de. Ouais, parce que sinon, pour le reste, ça n'a aucun effet. Aucun effet. Ah, si, pénétration d'armure, 20%. Alors que l'autre, il était à 16%. Sauf qu'en fait, comme on tire pas dans les armures avec, je sais pas comment vous dire. Allez, Paris, viens ici, s'il te plaît. Il y a paillettes déjà. Donc. Viens maintenant ici. Merci. Est-ce que tu as l'air d'avoir des problèmes pour viser? Oh, je sais même pas où je peux le voir. Il me semble bien que ta fumée, faut la mettre sur nous. Je sais plus s'il faut la mettre sur nous, sur les tourelles. Va falloir que je vérifie ça rapidement. Si c'est sur les tourelles, c'est compliqué. Si c'est entre les deux, ça fait peut-être un mur dans à travers lequel on peut pas tirer. Une jolie sculpture. Ok, et eh ben le rangement est en train de se faire. Je vois ça.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, ça va là. Puis 1, 2, 3, 4. Puis après, c'est vers ici. Voilà. Puis on continue ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Hop. Nous y voilà. Ça sert à rien que... Ouais, ça sert à rien que je ferme. Ils seront à peine moins dérangés, de toute façon. Super le chef-d'œuvre. Très content. Allez au boulot maintenant, s'il vous plaît. Pourrais miner celui-là aussi si tu veux. Heureusement qu'on a nos porteurs pour aller derrière nos mineurs parce que sincèrement, ça serait dégueulasse ici sinon. Tu fais quoi finalement là, toi? T'es parti pour faire quoi? Le fusil, ça m'étonnerait, tu dois faire des compos à mon avis. Parce qu'on n'a qu'un seul compo et c'est deux compos. Mais ça veut dire qu'on a bientôt un fusil qui va arriver quand même après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Encore une statue. Là, tu peux miner, c'est bon. Tu fais quoi, Julia? T'en es où? Ok, c'est pas mal aussi. Y a rien à dire, Julia, elle bosse bien. Nettoyez-moi ça, s'il vous plaît, les porteurs, là. Et puis paillettes, s'il te plaît, le sol, c'est dégueu. Allez, on avance. Je le sais qu'on peut creuser un truc entier comme ça et le fabriquer en moins d'un épisode. Alors go, 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 go. Le tournoi est interrompu par des combats et des discours encourageants qui ne le sont qu'à moitié. Allez, la team. Oh, faut pas que vous partiez, vous restez après, les gars. Il faut juste que vous m'autorisiez à vous mettre une guenille en dessous. Et des pantalons en peau de dromadaire ou je sais pas quoi, mais un truc comme ça. Non, une guenille en peau de dromadaire, ça vous donnerait plus 10 degrés. Vous seriez à 50, vous seriez déjà pas mal. Hein. Allez hop, Julia, il y a une petite urgence si tu veux bien. Faudrait faire ça d'abord. Bon les gars, c'est pas grave, vous allez tout de suite après venir commencer là en attendant. Merci. Hop. 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 Ouais, celui-là aussi. Hop là. Et on va faire l'autre côté pendant qu'on y est. Toc. Un, deux, trois. On fait celui-là aussi pendant qu'on y est. Voilà. Et ensuite, c'est quoi? Et ensuite, c'est deux ici. Deux ici. Puis trois. Et trois au centre aussi. Voilà. Hop là. Vous pouvez creuser encore un peu maintenant, ça y est.
Elle va faire le taf, donc vous pouvez y aller. Non, fais juste ça. Allez, hop, 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 hop. Hop, hop. Tac, 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 tac. Encore du transport. Encore du transport, mais en même temps, on approche vraiment de la finition de la structure de la salle. Qui va pour l'instant juste être un prolongement de ça. Hein. C'est juste un agrandissement. On me l'avait conseillé, je crois que c'est Elodie qui m'a conseillé de faire ça. Donc je focus là-dessus en premier. Merci Elodie. En même temps, je fais deux choses. C'est-à-dire qu'en même temps, je fais la salle que j'ai voulu faire, sauf que je ne vais pas l'utiliser pour faire la ferme comme j'avais prévu. Ça sera celle-ci qui sera la seconde ferme. Et celle-ci sera la troisième ferme, mais plus tard. On va essayer petit à petit de déplacer tous les ateliers qui sont là, les chambres, etc. Mais on a encore besoin d'espace. Une grande partie de ça partira, la recherche déjà partira ici avec le truc médical. Donc en fait, on va avoir une deuxième provisoire, puis une troisième définitive avec un petit peu d'atelier des chambres. On enlèvera cette chambre-là pour faire une cuisine, pour faire les plats des alpagas et des chameaux ici. Ce sera plus simple, on aura les ingrédients déjà. Et ici, il y en aura une vraie ferme avec peut-être un atelier aussi. Je pense, comme il y aura du coton, je pense que ça va être l'atelier de tissage. Ici, on aura l'infirmerie, donc avec la fabrication de médicaments et, quoique pas sûr pour la fabrication de médicaments, elle ira sûrement ici, deux ateliers tissage médicaments et seulement deux ou trois chambres, Il n'y aura peut-être, il n'y aura pas de stockage frais, je pense, ici. Voilà, et on avancera petit à petit comme ça. Erre tristement, Tiberius, ouf! On l'a chopé belle, il n'est pas parti. C'est chouette, c'est drôlement chouette. Transporter, transporter s'il vous plaît. Bon bah la salle là déjà elle a été nettoyée, c'est tellement mieux. Hop là. Je veux pas t'embêter, mais il y en a aussi ici du coup. Et de mémoire, il y en a là. Bien, on va faire du propre au-dessus. Alors évidemment, cette salle, ça devient compliqué à refroidir. Mais bon, elle est sous terre, c'est vraiment pas trop dur de la refroidir sous terre, hein, on l'a vu, hein. On a une différence entre nos deux salles. Mais en même temps, moi, j'ai pas pour autant envie de m'installer forcément sous terre, hein. C'est peut-être mieux, mais je préfère gaspiller mon argent et m'installer là où j'ai envie. Et en parlant d'argent, je parle d'acier, bien entendu. Hop là. Hop là, hop là. Là, on est pas mal. Ici, on est bien aussi. Il va falloir qu'on construise un mur en ardoise. Ici, ici, ici. Ouais, on va faire tout ça. Ça, puis on va faire le dernier ici. Et puis, bah voilà, je crois qu'on peut s'estimer heureux. On a, bon, pas complètement fini, mais on a très, 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 très bien avancé. Là-dedans, pour vous donner un ordre d'idée, on va commencer à réinstaller dès le début du prochain épisode les choses. Atelier de sculpture. Les chaises. Voilà, il nous restera donc moins de choses ici. Ça va. Je pense aller là-dedans.
voulais aplanir tout ça. Je vais sûrement le faire. Mais ça va aller là-dedans. Je vais sûrement déplacer ça pour le mettre là. On verra. Là, on va ouvrir d'une façon ou d'une autre, je pense, ici, pour espacer un peu nos ateliers, avoir de la place. Quoique ça peut rester là pour l'instant, d'ailleurs. C'est ça qu'il faudrait. C'est surtout ça qui va me gêner, en fait, pour que je fasse ma boucle. Ces deux ateliers-là, qui malheureusement ne peuvent pas être déplacés. Et qui sont des ateliers de fabrication, des ateliers de recherche. Donc, recherche, je sais que ça va là-bas. Fabrication, je ne sais pas encore trop où je vais le mettre. On verra ça dès le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. On a vraiment, vraiment bien avancé. J'adore ma nouvelle équipe de travail. Dommage que ce ne soit que des intérimaires. J'aimerais bien les embaucher définitivement. À tout de suite pour la suite. Thank you.